Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un exercice que j'affectionne beaucoup qui va nous permettre de mélanger le mouvement et la respiration à travers l'apnée, à travers une rétention poumon plein ou poumon vide. Vous pourrez le faire poumon plein ou poumon vide. Alors cet exercice, il consiste à commencer assis comme ceci, jambes tendues, à respirer tranquillement et vous allez prendre une apnée poumon plein, j'inspire et je vais me redresser lentement de façon continue et fluide et je vais replonger pour me réasseoir jambes tendues et je re-respire. Je récupère une, deux, trois respirations et ensuite je vais le faire deux fois en apnée. Je vais faire deux fois ce mouvement de monter et descendre en apnée de façon lente, contrôlée et fluide. J'inspire, je bloque poumon plein et je me redresse doucement. Soyez créatif, levez-vous et abaissez-vous de façon différente, tranquillement, de façon continue. Je ne respire pas toujours, je me redresse. Et je me rassois et je récupère. Inspire nez, souffle bouche. On inspire toujours par le nez parce que vous savez que nos sinus nasaux sécrètent de l'oxyde nitrique, ce qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau alvéolaire notamment, qui ouvre, ça ouvre aussi les voies aériennes supérieures. Et maintenant, on va le faire trois fois. J'inspire, je vais faire une apnée poumon plein et je vais me redresser et descendre trois fois de suite en apnée poumon plein. C'est parti, inspire, on bloque et on se redresse élégamment, tranquillement, en ayant un mouvement contrôlé, je tends les jambes et j'enchaîne. Essayez d'avoir un mouvement qui soit le plus fluide possible. Et on récupère tranquillement, calmement, à travers une respiration profonde et abdominale. Maintenant, on va le faire quatre fois. On va prendre une inspiration poumon plein, encore une fois, bloquer poumon plein, l'apnée, et on va se redresser et descendre quatre fois. Allez, on reventile le temps suffisant pour récupérer complètement, toujours au sol. Si la tête tourne et si vous sentez que vous n'avez pas complètement récupéré, eh bien vous restez à ventiler, bien sûr, un petit peu plus longtemps. Et si vous sentez que deux fois de vous être relevé et rabaissé, simplement deux fois en apnée, c'est suffisant pour vous parce que vous prenez du temps à récupérer, peut-être une sensation de vertige, peut-être encore une sensation de manque d'air, vous savez qu'on travaille notre tolérance au CO2, eh bien ça veut dire que vous en êtes là et que maintenant l'exercice pour vous, il travaille avec deux relevés du sol. Et puis à force de le faire tous les jours, eh bien vous allez augmenter votre tolérance au CO2 et puis pas à pas, vous allez pouvoir passer à trois relevés du sol. Là, on va essayer quatre relevés du sol. J'inspire, je bloque. Et on ventile profondément, calmement, respiration abdominale, diaphragmatique, pour récupérer. On profite d'être au sol.
pour récupérer tranquillement. C'est un exercice que je vous recommande de faire tous les jours. C'est un bon réveil corporel le matin, un réveil corporel et respiratoire le matin aussi, qui vous permet justement de reprendre contact avec votre corps et votre respiration. Donc on le fait progressivement et puis vous récupérez bien sûr au sol le temps nécessaire pour que vous ayez un reset complet, que vous soyez en bon état pour pouvoir incrémenter et faire un relevé du sol en apnée supplémentaire. Je vous invite à nous laisser en commentaire quelles sont les sensations que vous éprouvez en faisant cet exercice, combien de relevés du sol vous arrivez à faire. Alors, ce n'est pas une compétition, l'idée c'est pas de faire 10 relevés du sol absolument, l'idée c'est d'être connecté à ses sensations corporelles, connecté à son corps et à ses sensations, encore une fois, pour voir où on en est. Et vous savez que le travail corporel et le travail respiratoire, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors soyez prudents, je vous invite à pratiquer cet exercice sur un tatami, sur un tapis de préférence, et puis surtout à être vraiment connecté à vos sensations. Si vous avez le tournis et que vous n'avez pas complètement récupéré, vous restez au sol et vous récupérez avant de continuer l'exercice. C'est vraiment important d'être à l'écoute de votre corps pour ne pas vous blesser et de ne pas faire ça sur un sol qui est dur. Je vous invite à nous laisser en commentaire quelles sensations vous éprouvez en faisant cet exercice, combien de temps vous avez besoin de ventiler entre les différentes répétitions, et bien sûr je vous invite à partager cette vidéo pour qu'elle puisse servir au plus grand nombre. Mettez-nous aussi un petit pouce bleu pour nous soutenir et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.